Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo haul, je suis habillée dans la même tenue que la dernière ou la prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais peu importe, on est le même jour, hein, je suis pas une crado. Donc on se retrouve pour un haul spécial summer, voilà, donc j'ai des vêtements, des produits de soins et du make-up à vous montrer, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai fait une commande chez Missguided, non pas du tout. Si, voilà, j'ai acheté pas mal de trucs pour cet été, sachant qu'en fait j'ai acheté tous mes hauts d'été, mais pas encore mes shorts. Donc voilà, ce sera mon haul haut d'été. Donc c'est parti. Je vais aller sur l'application Missguided, comme ça je vous dis les prix en temps réel. Comme ça c'est clair. Alors, première chose que je vois sur l'application, c'est un t-shirt oversize qui est mauve, je sais pas encore, mais je vais probablement faire un petit try on haul, je sais pas encore si en gros j'essaierai les vêtements ou non, parce que si vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai un logiciel de montage qui est littéralement pourri pour énormément de raisons, ce qui fait que je peux pas mettre deux vidéos en même temps. Donc là par exemple je suis en train de vous parler, je peux pas vous mettre le passage où je suis en train d'essayer, donc c'est extrêmement chiant. Du coup voilà, je sais pas tellement comment je vais faire, donc soit je vous montre que comme ça, soit je vais les essayer si j'ai le temps après, mais je sais pas encore, on verra. Bref, donc voilà, ce t-shirt oversize que j'aime bien, je l'ai pris en taille 38, ce qui correspond à un S, M en gros, et il m'a coûté 22,50€. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Un body, couleur chair, donc si je le mets maintenant ça fait juste moche, mais quand je serai bronzée ça va faire bien. Donc voilà comment il se présente, et en fait c'est avec des manches comme ça qui ont les épaules dénudées. Et voilà, c'est un body assez chic on va dire, c'est pas pour tous les jours. Ça fait vraiment, voilà, on peut le mettre avec un petit pantalon de soirée tout ça, et c'est un body string. Voilà, et celui-ci m'a coûté 30€ en taille 38. Mais il me va un petit peu trop grand au niveau du ventre en fait, c'est pas assez étiré. Enfin, la matière est pas assez tirée, du coup ça avait des petits plis, du coup je pense que je demanderai à ma mère qu'elle me fasse une petite retouche. Ensuite j'ai acheté une combi qui est trop belle. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle est toute simple, elle est assez décolletée mais ça fait bien, ça n'est pas vulgaire. Et le bas il est tout simple, c'est une combi tout simple, on dirait un peu une jupe plus comme ça, mais c'est vraiment un short, hein, une combi. Et donc je l'ai prise en taille 38 et elle m'a coûté 22,50€, ce qui est très raisonnable pour une petite combi short sympathique. Ensuite j'ai, voilà, ça c'est le truc qui est sale que j'ai mis hier, qui est dégueu, j'ai mangé une compote et j'ai taché avec. C'est un petit haut tout simple comme ça, et j'aime beaucoup, voilà, j'ai rien à dire de particulier, j'aime beaucoup, c'est hyper confortable. Et ça c'est en taille 38 et je l'ai payé 9€, donc c'est très abordable. Ensuite j'ai acheté un petit haut que ça faisait longtemps que je le voulais, parce qu'en fait on voit ça de partout sur tous les réseaux sociaux, sur partout, tout le monde a ça, et moi je me suis dit bon, peut-être temps de passer le pas. Donc c'est un petit haut comme ça qui fait un peu brassière on va dire, parce que c'est très court avec les manches longues, enfin c'est mi-long. Et celui-ci je l'ai trouvé vraiment sympathique, après c'est vraiment très court, si je lève les bras bah on voit tout quoi, donc faut mettre un bandeau ou un truc en dessous. Et celui-ci je l'ai payé 18€ en taille 38. Je crois que j'ai tout pris en taille 38. Ouais c'est ça. Donc sachant que ma taille à moi c'est S. Donc si vous voulez commander sur Missguided, prenez 38. 38, rien d'autre, pas 36. Parce que sachez que sur l'application, c'est une galère pour les Françaises pour commander. C'est une putain de galère. Moi j'ai commandé sur le site. Sur le site français, il y a marqué que, il y a marqué les tailles, parce que moi je savais pas trop si je faisais 36, 38, machin, et il m'a marqué qu'en gros 38 c'était S, et sur l'application il y a marqué que 38 c'était M, non je me trompe, non c'est ça, que 38 c'était M, donc du coup, ou L, enfin bref, du coup je me suis tapé un coup de panique avant de la recevoir, mais en fait non, si vous commandez sur le site français, vous faites du S, prenez du 38, voilà. Ensuite, alors, j'ai acheté un t-shirt oversize rouge. Je sais pas ce que j'ai avec les trucs oversize, mais j'adore ça cette année. Avec un petit short en jean, ça peut faire super beau. Voilà, hein, tout simple. En taille 38 encore une fois, il m'a coûté 15€. Ensuite, je regarde là parce qu'il y a toute ma commande en fait. Hein, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, grosse déception. Grosse arnaque. J'ai acheté ce haut. Donc un débardeur, on dirait les petits trucs petits bateaux.
qui s'appelle débardeur court gris. Alors je vous explique, j'ai fait ma commande en 2 secondes 5. Je voulais absolument des hauts et j'ai tout mis dans le panier et puis voilà. Donc j'ai pas regardé toutes les photos de chaque truc. Donc il a coûté 9 €, c'est en taille 38. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site. Donc en gros sur le site, moi je fais pas attention, je voulais un crop top gris. Et là, je vois quoi? Donc sur le site, je vois ça. Je sais pas si on va voir mon écran, en plus il est tout dégueu. Mais en gros je vois un crop top quoi. Et en fait si on zoome, si on peut zoomer, nous ne pouvons pas zoomer. Mais bref, en gros elle l'a replié. C'est le t-shirt qui est replié. Donc voilà. Et en plus c'est sur genre, j'ai dû regarder je sais pas les premières et deuxièmes photos. Et sur les deux c'est replié. Et c'est que après que je vois que ça ressemble à un truc aussi horrible que ça. Donc bref, ça m'a vraiment saoulée. Bon après c'est 9 € et j'avais un peu la flemme de renvoyer. Enfin, de me faire chier pour un truc qui coûte 9 €, mais voilà, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est un tir tout simple, quoi, mais j'aurais jamais commandé ça. Genre, autant aller chez Petit Bateau et en prendre un. Enfin, bref, ça m'a un peu saoulée, mais bon. C'est la vie, voilà, donc il m'a coûté 9 €. Ensuite, j'ai acheté un crop top rouge, tout simple. Alors, on peut pas faire plus simple que ça. C'est un crop top avec des manches courtes. Et il m'a coûté 9 € en taille 38. J'ai acheté ce petit crop top que je porte sur moi actuellement. En taille 38, il m'a coûté 15 €, donc c'est un crop top. Je peux pas. En fait, je suis compressée entre ma table et mon mur. Voilà. Il est hyper confortable, la matière est oufissime, c'est trop bien. Et ensuite, on arrive à la fin de la commande bientôt. J'ai acheté une ceinture. Donc voilà comment elle se présente. Voilà. Voilà comment elle se présente. C'est une ceinture toute simple, hein. Truc qu'on a partout sur Asso, sur Miss Galty, sur ce que vous voulez. Et elle m'a coûté 15 €, celle-ci. Je l'ai prise en taille SM, elle me va très bien, aucun souci. Ensuite, j'ai pris une paire de sandales. Et oui, une paire de sandales, chose que je mets jamais. Et je me suis dit, bon, celles-ci, elles sont quand même vachement belles. Je me suis dit, allez, soyons fous. Donc, voilà comment elles se présentent. Même si j'essaie pas les vêtements, je vous montrerai jamais les pieds. C'est vraiment le truc que je ferai jamais. Je suis désolée vraiment pour ceux qui voulaient voir mes pieds, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Donc voilà comment elles se présentent. Elles sont juste trop trop belles. En plus, elles sont hyper confortables. Genre, j'étais choquée. Elles sont méga confortables et j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et je les ai pris en taille 41. Et oui, je fais du 41, je suis très grande. Et elles m'ont coûté 48 €. Ce qui est. Je sais pas, j'ai jamais de sandales. Je sais pas si c'est cher ou pas, mais 48 €. Voilà, c'est pas donné non plus. Ensuite j'ai acheté sur ce site des petites créoles, donc j'en ai une paire, il y a trois paires, j'en ai la plus petite qui est sur mes oreilles. Ouais, c'est des créoles assez épaisses, je voulais des créoles épaisses et je les ai trouvées. Je me suis dit pourquoi pas, ça coûte 7,50 €. Ça va, pour trois paires ça va, c'est abordable et j'aime beaucoup, la qualité est pas mal. Voilà voilà. Et ensuite j'ai acheté un lot de trois rats de cou, donc il y en a un qui est là et les deux autres sont là. Donc il y a une chaîne, voilà, et un petit truc comme ça, tout simple. Alors en fait c'est fait pour être porté les trois ensemble, mais ce qui est bien c'est qu'on peut les porter tout seul. Donc la chaîne je la mettrai jamais de ma vie toute seule, mais par contre ça je pourrais le mettre tout seul et ça bah, voilà. Mais sinon les trois ensemble c'est vachement vachement beau. Donc voilà pour mes guided. Et donc j'en ai eu pour un total de 225 € et j'ai eu une réduction de moins 40% parce que j'ai commandé lors de l'offre J'adore 40 qui m'a enlevé 90 €, ce qui m'a fait 135 € car les frais de port étaient offerts. C'est tout pour les vêtements, maintenant on va passer à la catégorie produits de soins. Alors j'ai une marque, je dois vous parler d'une marque. Alors d'ailleurs il n'y a absolument rien qui est en partenariat dans cette vidéo, sauf un produit mais je vous le dirai après, mais sinon rien n'est en partenariat. Donc cette marque c'est la marque Rituals. Alors pour celles qui ne savent pas, c'est une marque de produits cosmétiques pour le corps, pour le visage, pour la maison, enfin produits pour la maison, des bougies, des sprays, je crois qu'ils vendent même un peu de vêtements, voilà. Mais c'est une marque que j'adore mais un point vous imaginez même pas. J'ai testé déjà, en fait j'ai connu cette marque en testant le produit, le gommage pour le corps, d'ailleurs il est dans ma salle de bain, le gommage pour le corps dans la gamme qui est rose, pâle et blanche, que j'avais adoré.
Et du coup, je me suis lancée sur une autre gamme que je préfère l'odeur en fait. Vous avez plusieurs gammes avec des odeurs différentes. Donc, vous avez pour hommes et pour femmes. Enfin, vous avez une gamme pour hommes et le reste, c'est que pour femmes. Et moi, ma gamme préférée, c'est la gamme Ritual of Ayurveda. Et c'est ma gamme préférée de chez préférée. Oh, j'adore cette odeur. Donc, c'est la gamme qui est rouge. Et ça faisait longtemps que je voulais acheter les produits. Donc sachant que j'avais du coup testé les gommages pour le corps de cette marque et que j'avais énormément apprécié, et je me suis dit il faut que je m'achète la gamme qui est rouge. Sauf que bon, les produits sont pas très chers, mais bon, quand on veut acheter toute la gamme, ça revient cher. Du coup j'ai vu chez Sephora qu'il y avait un kit, enfin on en a parlé, un kit qui proposait donc des miniatures et de cette fameuse gamme. Du coup je me suis dit bah, je vais me lancer, je vais d'abord tester, voilà. Et puis si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas, et dans ma tête je me suis dit c'est impossible, mais si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas, et bah au moins je saurais quoi acheter en grand format. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un kit à Sephora qui m'a coûté 14,95€, il me semble, ou 15€, ou un truc comme ça. Et un kit qui propose un gommage pour le corps, une crème pour le corps et une mousse de douche. Donc premièrement, le gommage pour le corps, donc c'est à l'amande douce, à l'huile d'amande douce et à la rose indienne. En fait, ce qui est de dingue dans cette gamme, rien que de sentir, c'est un truc de fou, c'est l'odeur. C'est juste la meilleure odeur du monde, mais allez sentir ça direct, mais c'est un truc de dingue. Et ce que j'adore, c'est qu'ils proposent tout. C'est-à-dire que dans chaque gamme, vous avez le gommage pour le corps, tous les produits pour le corps, vous avez la brume parfumée, l'huile parfumée, le shampoing, tout, la bougie, tout. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous pouvez sentir la même odeur de la tête aux pieds, moi j'adore. Donc du coup, il y a le gommage qui est génialissime, c'est au sel... au sel, elle m'a expliqué la dame du magasin Rituel, c'est un truc de ouf. Il y a la crème pour le corps qui est géniale, qui adoucit vachement la peau. Par contre, je l'ai utilisée qu'une seule fois, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis seulement sur mes jambes. Et genre, il y avait vraiment pas beaucoup de produits dans le truc. Et la miniature de la bombe de douche, je sais pas comment on peut appeler ça. En gros, c'est un... quand vous appuyez, c'est un gel. C'est comme, vous savez, les mousses à raser, c'est exactement le même principe. C'est un gel et quand vous l'appliquez sur le visage, ça fait une mousse. Sur le visage, sur les jambes ou je sais pas où. Et ça fait une peau hyper douce, tous les produits font une peau de dingue, laissent une odeur qui dure longtemps, qui sent très très bon et j'ai adoré. Et en plus, j'ai eu un petit cadeau de la part de mon copain. L'huile de douche, c'est le produit que je voulais le plus dans la gamme parce que c'est mon produit préféré, je l'avais testé. Où c'est que j'avais testé, je me rappelle plus. Chez une de mes copines, je sais plus. Et en fait l'huile de douche c'est un truc de dingue. En fait, vous lavez, vous faites même votre gommage que vous voulez et ensuite vous appliquez l'huile. Donc ça se transforme en lait dans la douche et vous rincez. Et en fait ça vous hydrate la peau, ça la nourrit, ça l'adoucit, ça la fait sentir bon. C'est juste génial ici. Mais ça c'est le grand format, enfin le format normal. C'est un truc de dingue. Et ça coûte pas hyper cher, je sais plus combien ça coûtait ça, mais ça coûte moins de 20€. Hein. C'est vraiment trop bien. Et ensuite on passe au maquillage. Donc pour le maquillage c'est très simple. J'ai acheté un kit qui est censé, enfin c'est une offre fait des mères, mais je me suis acheté pour moi. En fait je voulais absolument un highlighter de chez MAC qui est donc celui-ci, le Beaming Blush Extra Dimension Highlighter. Donc c'est un rose et doré qui est incroyable, mais genre complètement incroyable. Enfin il est fou, il est trop bien, hyper pigmenté, hyper bien. Il est juste parfait, je le porte aujourd'hui, je pense qu'on verra rien. Mais de toute façon j'ai fait un tuto et maquillage de ce make-up. Et j'en ai mis un petit peu ici. Et donc du coup c'est un highlighter qui est génial. Et je voulais me l'acheter depuis belle lurette. Sauf que je sais pas, je me l'achetais pas. Et là j'ai vu qu'il faisait une offre avec un produit que j'utilise tout le temps, le Fix Plus de chez MAC. Donc là c'est le 9, mais j'en ai un ancien qu'il faut que je finisse. Et donc voilà, c'est le Fix Plus de chez MAC, le basique. Et donc il y avait une offre avec en plus le pinceau highlighter de chez MAC, le numéro 184, j'ai mis du temps. Et donc du coup ce pack fête des mères, donc il y en avait deux, il y avait celui-ci et un autre highlighter mais pour les peaux plus foncées, était à 49€. Du coup j'ai foncé, je crois que la livraison est gratuite à partir de 15€ chez MAC. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu et je l'ai pris sans hésiter. Ensuite dernier produit, c'est un produit de chez Estée Lauder, c'est le Camouflage Makeup for Face and Body et c'est un fond de teint. Donc c'est un produit qui m'a été offert par la marque Estée Lauder. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous avec le code
Clean 18, vous avez une mini mousse nettoyante offerte. Donc si vous commandez sur leur site. Donc c'est un fond de teint camouflage make-up face and body. Moi je l'ai en teinte 1N3 Creamy Vanilla. Sauf que... En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est le fond de teint plus couvrant que le Double Wear de chez Estée Lauder qui est ici même. C'est SPF 15 et j'ai beaucoup aimé. Par contre, la teinte est un peu foncée pour moi, mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé parce qu'il est très couvrant. Donc pour maquiller, c'est juste top. En revanche, il faut faire très attention à ce que vous mettez en dessous de votre peau. Je vous conseille de mettre un truc très hydratant, sinon il a tendance à s'oxyder. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Il est très très couvrant et voilà, je vous le recommande à fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je peux mettre les liens, quoi qu'il se passe, je les mettrai, mais je sais pas s'ils vont être mis directement à la sortie de ma vidéo, mais j'essaie de tout vous mettre en description, tous les liens des produits pour que vous puissiez voir s'il y a encore l'offre pour MAC, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine.